الله أكبر 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 Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Sachez que parmi ce qui fait partie de la modestie, il y a le fait d'être au service d'autrui, par recherche de l'agrément de Allah. Ainsi, le voisin est au service de son voisin, et les enfants sont au service de la famille. Et ainsi de suite. A été rapporté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidul Qawmi Khadimuhum, ce qui a pour sens le maître des gens est à leur service. Rapporté par Al-Khatib Al-Bardadi dans son livre Tariqu Bardad. En effet, lorsque tu fréquentes les gens et tu passes face à leur nuisance, tu seras concerné par le hadith du meilleur être créé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Al-Mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adahum a'zamu ajran min al-mu'minu alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru ala adahum. Ce qui a pour sens, le croyant qui côtoie les gens et qui patiente face à leur nuisance a une plus grande récompense que le croyant qui n'écoute pas les gens et qui ne patiente pas face à leur nuisance. Rapporté par Ibn Majah. Si tu es chez toi, ne sois pas comme ceux qui demandent beaucoup à ceux qui sont autour de toi. Ne dis pas « donnez-moi ci, donnez-moi ça, remets-moi ceci ou cela » alors que toi, tu es allongé. Au contraire, aide-les tout, comme il a fait le messager d'Allah. Il réalisait lui-même ses propres affaires chez lui, alors qu'il était entouré de personnes qui se tenaient à son service. N'oubliez pas de regarder chaque vendredi le nouveau rappel vidéo. Barakallahu fikoum wa salam alaikum. وعد النعماء